J'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir avec nous ce soir M. Michael Fleischmann, qui est, le, je ne sais pas si je prononce bien le prénom par contre, on dit Michel, Michal. Vous pouvez dire Michel. Michel, qui donc est notre ambassadeur de la République tchèque en France, donc en poste à Paris. Et je vais commencer par le présenter un petit peu, et ensuite il va vous expliquer quelque chose. Alors, vous avez étudié. En fait, c'est tout à fait original par rapport à d'autres pays de l'Union européenne. Vous êtes quasiment français autant que tchèque. Pourquoi ? Vous êtes arrivé à l'âge de l'adolescence à Paris. Vous avez fait vos études au lycée Henri IV, qui est un lycée que nous connaissons bien sur la rive gauche. Vous êtes entré à la Sorbonne. Vous n'avez pas eu loin à pied pour faire le transfert d'Henri IV à la Sorbonne, où vous avez étudié les lettres, et plus précisément ensuite la sociologie des littératures avec un DEA à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales. Vous êtes entré ensuite dans un métier, premier grand métier, les médias, le journalisme. Vous avez été réalisateur sur France Culture, pour Radio France de manière générale, et puis ensuite, assez rapidement, 10 ans après quand même, 1990, vous êtes rentré dans le groupe Lagardère comme directeur général d'Active Radio Internationale, avec une spécialité sur la République tchèque déjà, évidemment c'était naturel, et la Slovaquie, surtout à l'époque. Et puis, évidemment, un peu plus tard, vous avez pris la présidence, enfin, vous étiez membre du conseil de surveillance avec titre de président de Active Radio, qui est donc cette radio. Peut-être vous nous direz un petit mot de ce qu'est Active Radio, je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse. Ensuite, vous avez été quand même décoré pour tout ça. Vous avez été chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres en 1992 et de l'Ordre de la Légion d'honneur en 2018. Vous êtes ambassadeur depuis 2020 seulement, donc il y a 2 ans et demi, c'est un nouveau métier, une seconde vie qui commence, surtout quand on est encore jeune comme vous, et on peut se poser la question, c'est ma première question, qu'est-ce qui vous a conduit à changer de métier pour se mettre au service du pays de cette manière ? Alors, merci d'abord. Merci d'abord de m'accueillir et de me donner la possibilité de parler de la République tchèque, surtout en ce moment, mais on y reviendra certainement. En ce qui me concerne personnellement, c'est très difficile de dire si c'est un nouveau métier. Vous savez, quand on est dans les médias et quand on préside plusieurs sociétés de médias, plusieurs radios, parce que j'étais surtout axé sur les radios, vous faites tout le temps de la diplomatie, puisque les terres dans lesquelles se meuvent les radios, ça appartient à tout le monde, donc vous devez traiter et se mettre d'accord avec l'État pour pouvoir faire de la radio. Donc vous êtes dans la diplomatie dès ce moment-là. Comment je me suis retrouvé ici c'est compliqué et simple. Je voulais partir à la retraite, puisque j'ai déjà un certain âge. Et je vois qu'au premier rang, il y a quelqu'un de Radio France. Là. Et je voulais partir à la retraite. Et lorsque, au niveau de la présidence de la République tchèque, ils ont appris ça, le président de la République m'a appelé et m'a proposé ce poste ici à Paris. Et même si je voulais vraiment partir à la retraite et me reposer un peu, on ne refuse pas un poste d'ambassadeur et surtout on ne refuse pas de revenir à Paris. Voilà, donc un nouveau métier, pas tout à fait, mais c'est vrai que les règles ne sont pas toujours les mêmes. Alors je dois aussi excuser notre maire, Étienne Langereau, qui est retenu par une balade urbaine en parallèle de cette soirée, qui nous rejoindra peut-être, on verra tout à l'heure, d'où le troisième siège. Ce n'est pas la politique de la chaise vide, je précise tout de suite, c'est juste qu'il sera le bienvenu si jamais il nous rejoint en cours de débat. Voilà. Nous avons organisé un peu ensemble la façon dont nous allons échanger et nous allons commencer par rappeler quelque chose de très important, c'est que l'Union européenne, vous savez, est un peu dirigée par le Conseil européen des chefs d'État, ce Conseil de l'Union européenne qui a une présidence tournante tous les 6 mois et la semaine européenne est toujours choisie un peu en fonction du pays qui préside ce semestre. Là, en ce moment, c'est la France qui
finit sa présidence fin juin, et c'est la République tchèque qui va commencer à présider l'Union européenne à partir du 1er juillet. C'est la raison pour laquelle, vous comprenez bien, qu'en tant que Français, nous n'avons pas mis la France en l'honneur, mais plutôt la volonté de découvrir un pays que nous connaissons moins, à savoir la République tchèque. Et parce que vous avez donc cette présidence à assurer à partir du 1er janvier, vous savez peut-être ou vous ne le savez peut-être pas, mais c'est toujours un travail en trio entre la présidence précédente, la présidence actuelle et la présidence suivante. Et ce trio, ça fait déjà plus d'un an finalement qu'il fait travailler les fonctionnaires de la République tchèque pour préparer cette présidence de juillet. Donc, monsieur l'ambassadeur me disait tout à l'heure qu'il est déjà bien fatigué de tous ces préparatifs qui vont faire qu'ils vont être à l'honneur à partir de juillet. Et parce qu'il y a cette présidence, il y a toujours des priorités de la présidence qui sont affirmées, c'est-à-dire les thèmes sur lesquels l'État membre qui va présider va plutôt insister pour obtenir des consensus entre les 27 États membres. Donc nous allons commencer cet échange par une intervention de M. Fleischmann sur la présidence qui vient et ses priorités. Bien. Bien, je peux vous dire que les 6 derniers mois ont été vraiment très intenses parce que être ambassadeur de la République tchèque en France pendant que la France préside le Conseil de l'Union européenne et qu'on sait que derrière les Français, c'est les Tchèques qui vont suivre, nous étions vraiment dans un étau d'un côté. La préparation de notre présidence et de l'autre côté, suivre la présidence française et être présent. C'est un moment assez intéressant. Il y a très peu de Français qui savent que la France, en ce moment encore, jusqu'à la fin juin, préside le Conseil de l'Union européenne. Il y a très peu de Français qui le savent. En République tchèque, n'ayez pas peur, ils le savent encore moins. Alors, à quoi exactement ça sert cette présidence du Conseil de l'Union européenne quand ce n'est pas quelque chose qui est public, entre guillemets, ouvert vers les gens? À quoi ça sert? Eh bien, ça sert surtout à faire avancer les lois européennes, les faire avancer, certains les faire aboutir, pour que l'Union européenne existe et suit un peu son histoire et son développement historique. Donc la France a fait ces six mois difficiles parce que le Covid, parce que l'élection présidentielle, parce que maintenant les élections parlementaires. Donc une présidence qui était finalement assez courte, parce que dans les six mois, il y avait beaucoup de mois qui étaient consacrés à autre chose qu'à la présidence du Conseil de l'Union européenne. Ça n'a pas empêché. La France a avancé parce que l'administration française, même si on élit un président, même si on élit des députés, l'administration française continue à fonctionner et travaille. Donc nous avons vécu 345 réunions en cinq mois à travers toute la France. C'était terrifiant. Mais bon, on a survécu, il y a des choses qui se sont passées, il y a des choses qui ne se sont pas réalisées, et les choses qui ne se sont pas réalisées, c'est les Tchèques qui vont les prendre en main. Parce que c'est comme ça que ça se fait. Alors, il y a donc tout un mouvement de réalisation et d'avancée des lois européennes, une phase, et ça, le pays qui n'a pas abouti une loi, c'est l'autre pays qui la reprend, et ainsi de suite. De temps en temps, ça dure 10 ans. Et de l'autre côté, il y a ces priorités de chaque pays qui se met à la présidence, d'essayer de faire avancer des choses suivant des priorités que le pays se choisit, propose au Conseil de l'Union européenne, le Conseil de l'Union européenne le valide, et seulement après, nous, on peut vraiment le faire. Maintenant, nous, ça fait un an qu'on travaille vraiment dessus. On a travaillé avec les Français, on travaille avec les Suédois qui passent derrière nous,
Mais les choses ont énormément changé. Les choses ont changé, le Covid a changé beaucoup de choses. Et puis maintenant, c'est la guerre en Ukraine qui a changé beaucoup de choses. Donc, les priorités telles qu'on les avait, sur lesquelles on a travaillé, telles qu'on les a préparées, je peux vous dire qu'ils ont été bousculés, et largement. Nous, on voulait faire un sommet entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique. Très difficile de faire un sommet pareil en ce moment, quand nous sommes quand même pas loin des terres où il y a la guerre. La guerre, c'est pas loin. Hein. La guerre, c'est comme si vous alliez de Paris en Sicile. De Paris à la frontière ukrainienne, c'est exactement la même distance. Donc c'est la porte à côté. Donc c'est difficile de faire des choses comme ça. Donc nos présidences, notre présidence, nos priorités et où on veut engager l'Union européenne, c'est avant tout maintenant la question de l'Ukraine. Donc l'un de nos objectifs, ça va être un sommet sur la reconstruction de l'Ukraine, un sommet, comme on dit, donateur. Ça veut dire qu'on va inviter les pays de l'Union européenne, des 27, à se réunir à Prague et faire des promesses de dons pour la reconstruction de l'Ukraine. Ça va être l'un des points très, très, très importants. Bien sûr, la guerre en Ukraine, elle apporte d'autres problèmes, des problèmes économiques, et des problèmes économiques graves que l'on ressent déjà maintenant. Vous payez de 2,25 € maintenant, je crois, un litre d'essence, alors que c'était il y a 6 mois à 1,90 €, je crois. Ça va être encore pire. Je vous assure, c'est pas une bonne nouvelle, mais ça va être encore pire. Et il faut essayer de traiter ce problème. Donc nous essaierons, dans le cadre du Conseil de l'Europe, avancer des travaux sur la gestion des énergies, la question de nouvelles possibilités, comment amener du gaz et du pétrole en Europe sans utiliser des oléoducs et des gazoducs russes. C'est une grosse discussion, énorme. Ça va coûter énormément d'argent. Et je suis désolé, il faut que quelqu'un paye. Et qui est-ce qui va payer? Ce sont nous tous qui sommes des gens qui payons des impôts. Donc nous allons payer et ça va nous coûter beaucoup. Troisième élément qui va être très important de notre présidence et que l'on va discuter avec les représentants des États de l'Union européenne, ça va être la sécurité en tant que telle, la sécurité aux frontières, la sécurité aussi contre les attaques cybernétiques, contre les fake news et contre tous les mensonges qui existent. Ça va être une question importante. Parce que tout simplement, on ne peut pas vivre dans le mensonge. Et il faut donc se donner des armes, il faut se donner des règles, comment se battre contre cela. J'ai un peu oublié que nous voulons aussi faire beaucoup de choses, une réunion, on ne sait pas encore si c'est un sommet ou si ça va être tout simplement une convention ou quelque chose, sous la santé, et c'est lié à notre passé récent et qui est encore présent sur le Covid, où on s'est quand même aperçu que l'Europe, en tant que telle, n'a pas de système de santé commun pour pouvoir se défendre devant des pandémies comme le Covid-19. Donc on va essayer de trouver des solutions et de se mettre d'accord sur des systèmes, comment communiquer. Et puis un dernier point, qui est un point très important pour l'Europe centrale en tant que telle, et pour les Tchèques en particulier, je dirais, c'est la défense de la presse, la défense de la liberté de la parole, la défense des libertés, de la démocratie et de ce qu'on appelle l'état de droit. Ce qui sont des questions de base même de notre vécu démocratique et de notre vie dans la communauté européenne. Et bien sûr, ce sont des questions qu'il faut tout le temps rappeler, tout le temps redéfinir, suivre et essayer d'imposer à tout le monde. Voilà
un peu le début. Merci beaucoup. Le sujet que nous avons annoncé ce soir au cœur de notre discussion est le sentiment d'appartenance à l'Union européenne. Ce sentiment d'appartenance a été mesuré notamment par l'Eurobaromètre en fin 2019, début 2020. On n'a pas encore l'édition suivante. Et 27 000 entretiens avaient été faits à travers tous les États membres. Et on constatait à l'époque que sur l'ensemble des 27 États membres, et je précise que c'était donc avant la pandémie, 50% des Européens avaient une opinion positive globale sur l'Union européenne, en progrès de 10 points depuis 2019. Autrement dit, une forte progression d'un sentiment pro-européen dans l'ensemble des 27. Les Tchèques, par rapport à ce 50%, ont répondu à 53%. Donc toujours un petit peu mieux que la moyenne des 27. Mais le plus intéressant, c'est que ce n'est pas 10 points qu'ils avaient gagnés depuis 2019, mais 26 points. Autrement dit, entre 2019 et 2020, les Tchèques ont eu un enthousiasme beaucoup plus fort à ce moment-là que dans les années précédentes. 67% étaient plutôt optimistes sur le futur de l'Union européenne, contre 66 sur le total des 27, ça c'est presque le même chiffre. Et 63 estiment que l'adhésion de leur pays a été une bonne chose, mais ça c'est au niveau européen. 65% des Tchèques ont dit que c'était une bonne chose d'être membre de l'Union européenne. Donc on a, je dirais, en résumé, un attachement à l'Union européenne qui n'est pas à remettre en cause, comme on a pu le voir dans d'autres pays influencés par une presse manipulatrice, puisque je reprends un peu votre dernier paragraphe. Mais on a demandé également aux Tchèques dans ce baromètre sur quoi ils voulaient vraiment insister et quelle était a priori la préoccupation la plus forte dans la relation entre le gouvernement et l'Union européenne. Et ils ont répondu que le point de friction le plus important, c'était les migrations et le problème des réfugiés. En 2019, donc bien avant ce qui va se passer après. Les valeurs communes de l'Union européenne, on le sait, sont toujours un peu les mêmes qui ressortent, c'est la liberté, l'attachement aux libertés, l'attachement à la démocratie, l'attachement à l'état de droit, et c'est donc très bien d'y revenir comme une priorité. La solidarité quand même un petit peu, mais les Tchèques un petit peu moins que d'autres pays sur ce sujet-là, alors qu'ils ont beaucoup plus insisté que par rapport à tous les autres pays sur la liberté d'expression. Freedom of speech. Cette liberté d'expression qui, quand on connaît l'histoire du pays, s'explique quand même pas mal. Parce que c'est un pays qui a quand même été, je dirais, bâillonné hein, de part et d'autre par les nazis, par les communistes. Et c'est un réveil, un réel réveil qui est attendu. Et puis, cette notion d'indépendance vis-à-vis des grands blocs, et là, ça fait poser une question, c'est finalement, est-ce que l'Union européenne est vue comme un nouveau grand bloc dont il faut se méfier? Et au-delà des statistiques que nous venons de rappeler, comment ces valeurs se traduisent-elles, à votre avis, dans la vision que les Tchèques ont de l'Union européenne? Beaucoup de questions à la fois. Première chose, cette appartenance des Tchèques à l'Union européenne. Ne parlons pas de l'Union européenne, parlons de l'Europe. Les Tchèques se sont toujours sentis européens. On a été mis de force dans le camp, ce qu'on appelait soviétique, et les habitants tchèques et slovaques n'ont jamais vraiment accepté, dans leur majorité, dans leur grande majorité, cette appartenance à l'espace soviétique. Donc, sortir après 89 de cet espace soviétique, c'était aller vers l'Europe, revenir dans l'Europe, reprendre sa place en Europe qu'on n'aurait jamais dû quitter. Donc, il y a une vraie volonté des Tchèques, mais aussi des Slovaques, à faire partie de l'Europe, voire, donc, politiquement parlant, de l'Union européenne. Il y a toujours des paradoxes dans des études. J'ai passé 30 ans de ma vie dans des analyses des sondages
d'écoute de radio. Donc je connais bien ce monde-là. Il y a toujours des paradoxes. D'un côté, nous sommes pour la liberté d'expression. C'est chez les Tchèques une tradition, et un journalisme, une culture ouverte et ouverte vers le monde, une connaissance du monde, parce qu'un petit pays, plus vous êtes petit pays, plus vous connaissez plus de choses sur les autres. Toujours comme ça. Hein. Or, la France peut se permettre à se regarder elle-même. Nous, on devait toujours regarder à l'extérieur. Donc, cette liberté d'expression est en même temps, d'après ce sondage, un certain problème avec l'émigration. J'ai toujours eu un doute, et je doute toujours de la justesse de ce sondage, de ce baromètre, eurobaromètre, parce que c'est un peu lié justement à ces fake news aussi. Nous, on a été énormément sous influence de l'attitude de l'Europe centrale, des pays de l'Europe centrale en tant que tel, le refus polonais d'accepter des réfugiés, le refus des Hongrois d'accepter les réfugiés. Ça s'est reflété en Slovaquie, ça s'est reflété dans les pays tchèques, et je trouvais ça, et je trouve ça, très triste. Ce qui se passe maintenant avec les Ukrainiens, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Vous pourrez me dire, d'accord, les Ukrainiens, c'est des Slaves, donc vous les accueillez plus facilement, vous comprenez mieux, c'est pas des Syriens, etc. Non, je pense que les Tchèques sont ouverts vers n'importe quelle population migrante et ont une volonté de les accueillir. Maintenant, il y a la vie politique, il y a une certaine attitude et toujours certaines volontés politiques pour pouvoir survivre en politique, de mener son pays vers un nationalisme primaire. C'est toujours dangereux, mais bon, ça se reflète quand même. Les politiques, ils ont quand même une influence sur nous, quoi qu'on fasse. Mais cette vision des Tchèques sur l'Union européenne n'est pas tellement nationaliste, et on peut développer ça. Peut-elle être dite, déterminée par le fait que la liberté est perçue comme mieux garantie par l'appartenance à l'Union européenne? C'est certain. C'est certain. Et ce sondage qui date d'il y a 3 ans maintenant, je peux vous dire que les choses se sont encore améliorées. Pour deux raisons. On s'est aperçu que nous sommes tous malades du Covid, qu'on soit européen, de la République tchèque, de la Slovaquie ou de la France, on a tous le Covid, et que la seule défense contre le Covid est une vaccination, le port des masques, vaccination, se laver les mains, et qu'on doit faire ça tous, qu'on soit petit, grand, tchèque, polonais, etc. Donc on s'est aperçu qu'on a une vraie appartenance quand on a réussi à mettre des moyens technologiques, entre guillemets, médicaux en commun pour pouvoir se défendre contre cette maladie. Ça a fait un énorme bien à la population tchèque et à leur conscience d'appartenance à l'Union européenne, parce que tout d'un coup, il y avait une vraie communauté sur un sujet commun. C'est exactement la même chose comme ce grand sujet. Je ne veux pas faire de la politique ici, mais le fait que l'Europe a réussi à se mettre d'accord sur le financement d'après Covid, sur la relance économique, que tous ces 27 pays ont réussi à se mettre d'accord et ont réussi à se départager l'argent qui va être fourni par les États ou l'Union européenne se prêtera auprès des banques mondiales. Là aussi, c'est une volonté, c'est tout d'un coup un sentiment d'appartenance à quelque chose de très fort, c'est-à-dire nous ne sommes pas tout seuls, nous sommes avec les autres dans la même situation, entre guillemets, catastrophique, nous sommes ensemble. Maintenant, troisième point d'appartenance de la République tchèque à l'Union européenne, c'est bien sûr maintenant la guerre d'Ukraine. La guerre d'Ukraine, souvenez-vous, en 1968, moi j'avais 16 ans, mais
et j'étais à Prague lorsque les chars soviétiques sont arrivés à Prague. C'était une vraie catastrophe pour la population à l'époque de la Tchécoslovaquie. Personne dans le monde n'a bougé. Personne. On a eu plein de soutien moral. Moraux. On disait, c'est mauvais ce que font les soviétiques, c'est très mauvais ce que fait le pacte de Varsovie. Mais personne n'a bougé. Aujourd'hui, à la surprise un tout petit peu de tout le monde, toute l'Europe s'est réunie. Même les récalcitrants, il y en a encore qui traînent du pied, mais ils vont arrêter. Tout le monde s'est mis à soutenir l'Ukraine, non seulement au niveau humanitaire, moral, mais au niveau argent, au niveau armes, c'est énorme. On n'arrive pas à imaginer qu'en août 68, quelqu'un d'un pays européen se serait mis du côté de la Tchécoslovaquie et enverrait des armes à des soldats tchécoslovaques pour qu'ils se battent contre les armées du pacte de Varsovie. Inimaginable. Aujourd'hui, c'est possible. Ça se fait parce qu'il y a l'Union européenne. Et ça, les Tchèques s'en rendent parfaitement compte et on fait partie d'un même bloc et on fait même partie d'un même bloc de résistance à l'invasion russe en Ukraine. Et j'espère que ça s'arrêtera là, d'ailleurs. Donc cette vision n'est pas nationaliste. On évoquait aussi la différence avec la Slovaquie tout à l'heure, où en fait, avant cette séparation entre la Slovaquie et la République tchèque, en 1992, c'est ça, il y avait un sentiment un peu différent de part et d'autre. Vous me disiez que les Slovaques étaient plus refermés sur eux-mêmes et sur leur identité. Est-ce qu'on peut dire que la Slovaquie a toujours été un peu plus nationaliste que la République tchèque ? Monsieur l'ambassadeur de Slovaquie à Paris, monsieur Igor Slobodník, me tuerait s'il m'entendait ce que je veux dire. Mais non, on se comprend parfaitement, on est très amis. La volonté slovaque, dans le cadre de la Tchécoslovaquie à l'époque, les Slovaques se sentaient toujours un tout petit peu, réprimés, opprimés par les Tchèques. Pour la simple raison que la Bohème et les pays tchèques sont économiquement riches, des mines, des biens de la terre. C'est un pays riche, alors que la Slovaquie est un pays de paysans qui était beaucoup plus pauvre. La Tchécoslovaquie et le communisme, moi je suis vraiment un anticommuniste entre guillemets presque primaire, mais n'empêche qu'il s'est passé de bonnes choses. On a construit énormément d'usines en Slovaquie. On a laissé vieillir les usines dans les pays tchèques et on a construit de nouvelles usines en Slovaquie. Donc la Slovaquie, tout d'un coup, avait une richesse et une capacité économique qui était quand même conséquente. Donc il y avait une volonté, se sortir de l'oppression, entre guillemets, des Tchèques, et de l'autre côté, se prouver l'existence d'un État slovaque démocratique, libre, etc., etc. N'oubliez pas qu'il y avait déjà un État slovaque qui existait sous Hitler. Mais surtout s'affirmer en tant qu'État démocratique. Donc il y avait cette volonté-là et on s'est séparés de manière, on appelait ça, tout ça, la révolution de velours. Alors, de manière veloutée, nous sommes séparés et nos relations sont absolument excellentes et dans le cadre de l'Union européenne, toujours ensemble. C'est déjà une bonne chose. On a vu que les statistiques de tout à l'heure étaient avant la pandémie, l'arrivée de la pandémie. On va dire qu'il y a eu deux grandes épreuves depuis 2019. C'est d'une part cette pandémie du Covid-19, ou de la Covid-19, 19 tout simplement. Et puis après la guerre en Ukraine. Est-ce que sur le Covid-19, vous pensez que les Tchèques ont pris conscience que l'Union européenne avait joué un rôle particulièrement positif, notamment pour mutualiser l'achat de vaccins en très grand nombre et faire en sorte qu'elle soit là comme un peu une nouvelle protectrice, un grand cadre protecteur au service des citoyens? Je venais d'arriver en début 2020. Je suis arrivé à mon poste d'ambassadeur le 15 janvier 2020.
Et un mois plus tard, le Covid a commencé. Donc ma carrière de diplomate, jeune diplomate, tout jeune diplomate, a commencé par un métier très étrange. C'était un chef de gare. Un chef de gare, parce qu'il y avait énormément de Tchèques, de Slovaques, de France, qui étaient en France, ou dans le monde entier, parce qu'on passait par Charles de Gaulle, voulaient rentrer sur Prague, sur la République tchèque. On a réussi à louer des autobus, payer des billets d'avion, mettre des gens dans les hôtels, mais on a répatrié quand même 750 personnes, rien que cette petite ambassade. Ce qui s'est passé, c'est que la première réaction du gouvernement tchèque de l'époque, c'était de fermer les frontières. On ferme les frontières, il n'y aura pas de Covid chez nous. Je me souviens dans le centre de, comment on appelle ça, d'urgence du gouvernement français, j'en ai entendu. On ne m'a pas traité de mon œil. Parce que tout simplement le Covid, il se moque des frontières. Donc très très rapidement ça a été compris et les frontières peu à peu se rouvraient et on essayait de voir comment faire et comment justement ensemble acheter des médicaments, des vaccins contre le Covid. Il y a eu beaucoup de problèmes, hein. Il y a eu énormément de problèmes, des transports frontaliers. Il y avait beaucoup de Tchèques de la frontière allemande, qui sont sur la frontière allemande, qui travaillent en Allemagne, et les Allemands ne voulaient pas les laisser entrer. Les Allemands qui travaillaient en République tchèque, les Tchèques ne voulaient pas les laisser entrer. Ils étaient là entre les deux et ne savaient pas plus très bien quoi faire. Donc ça, c'était un moment très difficile, mais n'empêche que très vite, on a tous compris. Et je dois dire, en France, c'était plus rapide que chez nous, qu'il faut acheter des vaccins, il faut les acheter ensemble, parce que c'est la seule possibilité. Les Tchèques se sont parfaitement rendus compte de ce problème. Alors, la deuxième grande crise, ça a été effectivement la guerre ukrainienne. Un chiffre important que vous ne connaissez sans doute pas, 350 000 réfugiés ukrainiens sont arrivés en République tchèque à l'heure actuelle. Comment la population a-t-elle réagi ? 350 000, c'est 3,5% de la population, on semble 10 millions. Donc c'est énormément de gens. D'abord, les Tchèques ont très bien accueilli les Ukrainiens, parce que aussi ils les connaissent, il faut s'avouer la vérité, ils les connaissent. Il y a beaucoup d'Ukrainiens qui venaient travailler en République tchèque, qui gagnaient leur vie en République tchèque, qui envoyaient de l'argent en Ukraine, se construisaient une maison, puis revenaient à la maison. Bon, on connaît ce système, on connaît bien cela. Les Tchèques ont accueilli avec énormément d'humanité. Les Ukrainiens, il faut aussi comprendre que c'est avant tout les femmes et les enfants. C'est surtout ça. Il y a très peu de jeunes hommes. C'est des vieillards, des femmes, des enfants. Bon, notre problème, c'est, et ça devient un problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui vont à Prague. Et Prague est surbookée, je dirais. Surbookée, on a plus de place. Là, nous sommes en train d'essayer de construire sur des espaces vides de Prague des tentes pour pouvoir loger, au moins en attendant de trouver un logement, de trouver de la place pour ces immigrés qui, heureusement, ça s'atténue, mais il y en a quand même 3 à 4 000 par jour. Attendez, hein, c'est quelque chose de... qui continue, la guerre est là, elle est toujours là, elle n'est pas finie. Donc, bon... L'État a énormément investi, puisque chaque famille qui accueille une famille ukrainienne reçoit une dotation de la part de l'État de 5 000 couronnes, ce qui est quand même assez... disons qu'un deux pièces sur Prague vous coûte dans les 8 000 couronnes à peu près.
Donc 5000 couronnes, c'est déjà une bonne aide. C'est une bonne aide. Et ça continue et ça a été prolongé jusqu'à la fin de l'année. Donc il y a énormément d'aide. Bien sûr, tous les Ukrainiens reçoivent immédiatement la sécurité sociale. Important. Bien sûr, ils peuvent travailler. Le droit de travail. Le livret de travail, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. Le permis de travail. Ils peuvent travailler. Et bien sûr, ils ont le choix de l'endroit où ils veulent aller habiter. Donc là, ils choisissent Prague, et ça, c'est un problème que nous sommes en train d'essayer de régler, de conseillant aux immigrés d'aller un tout petit peu dans les autres villes de la Bohème. On savait avant même cette immigration qu'il y avait quand même un déficit de main-d'œuvre. Vous avez un taux de chômage extrêmement bas par rapport à d'autres pays. Le plus bas de l'Europe. Vraiment le plus bas de toute l'Union européenne, 2,5% environ. Par aussi le fait que vous êtes très intégré à l'économie allemande, par la puissance de l'industrie qui emploie et qui vous permet d'exporter beaucoup. Vous avez, je rappelle, Stoda, qui est une filiale de Volkswagen. Et c'est vrai que cette nouvelle immigration, qui s'ajoute en plus à la situation préexistante, peut être vue comme une aubaine, parce qu'à ce moment-là, elle va pouvoir apporter des emplois qui étaient à pourvoir. Vous cherchiez des gens, maintenant vous en avez sous la main. Ou est-ce que vous pensez que c'est vu comme quelque chose dont on a peur? Comment ça se passe? Donc d'abord, première chose, effectivement, la République tchèque est un pays d'exportation. Par rapport à la France, l'export tchèque est 7 fois plus grand que l'import français en République tchèque. Alors, quand vous imaginez comme la France est grande, etc., on se demande ce que les Français font. Je ne comprends pas bien. Alors après, on nous dit que nous sommes un tout petit peu dans les mains de l'économie allemande. Ben oui, quand les Français ne viennent pas, que voulez-vous faire? C'est un vrai problème. J'étais conseiller du commerce extérieur de la France à Prague, quand j'étais directeur de président des radios, qui appartenait à un groupe français, et c'était des discussions à n'en pas finir. Comment ça se fait que les investisseurs, les sociétés françaises ne viennent pas en République tchèque, où ils ont la sécurité au niveau de la justice, de la défense du travail, de la défense de leurs investissements, tout, comme en France, exactement comme en France. Non, ils ne viennent pas, ils restent en France. Bon, c'est compliqué. Bon, maintenant, on va voir, peut-être quand ils vont maintenant se retirer de la Russie, se retirer des autres pays, ils vont peut-être enfin venir en République tchèque. Bon, c'est vrai que notre économie est énormément liée à l'économie allemande. Est-ce que vous ne craignez pas une trop grande dépendance également? C'est-à-dire, si la situation économique en Allemagne se dégrade, vous seriez un peu les premiers à en subir les conséquences. Nous sommes bien sûr, de par cette situation économique, nous sommes dépendants de la variation de l'économie allemande. Ça, c'est évident. Quand l'Allemagne va mal, nous, on va mal. Ça, c'est vrai. Maintenant, bon, c'est un état de fait. Il faut vivre avec et il faut surtout essayer d'investir en République tchèque pour essayer d'être plus autonome à cela. Cela dit, vous savez, nous sommes en Union européenne et que vous construisez une usine en République tchèque ou en Allemagne, etc., vous payez vos impôts dans ce pays. Et vos résultats, vous les envoyez dans le pays d'où vous venez. Souvent, les gens, entre guillemets, de la gauche européenne, disent que cet argent devrait rester dans le pays où il a été gagné. Mais à ce moment-là, ce ne serait pas la peine de faire de l'Union européenne. Il est important à ce que l'argent circule à travers l'Europe de manière libre, du libre-échange. Donc nous sommes dans cette attitude de dépendance et de non-dépendance, puisque si ce n'était pas l'Allemagne, ce serait un autre pays, peu importe. La seule chose qui est dommage, c'est que
L'Allemagne a investi en République tchèque et les autres pays moins. Quand on imagine que les Italiens investissent en République tchèque plus que la France, que l'importation du vin italien est plus importante en République tchèque que le vin français, c'est quand même étonnant. Il y a un fait historique. Pardon, j'ai pas répondu à la question sur les Ukrainiens, sur le taux de chômage, oui, etc. Oui, on peut approfondir un peu. Un petit mot là-dessus. Il est évident que le pouvoir tchèque, les pouvoirs politiques tchèques vont essayer de proposer aux familles ukrainiennes de rester, parce que nous avons un manque énorme de main-d'œuvre, énorme. Les sociétés tchèques, mais même les sociétés étrangères installées sur le territoire de la République tchèque, ne peuvent pas se développer parce qu'ils n'ont pas de main-d'œuvre. Donc c'est un vrai frein à l'économie tchèque qu'il faut essayer de régler. Et l'arrivée des Ukrainiens est effectivement une aubaine. On n'en a pas peur, ce dont on a plutôt peur, c'est qu'ils vont être là, ils vont tous rentrer. Ce qu'on leur souhaite, bien sûr, et en même temps on se dit, mais bon Dieu, essayez de rester, essayez de nous aider et de faire marcher l'économie tchèque mieux qu'elle ne marche déjà. On s'attend donc à une grande entreprise de séduction. Certainement. Pour essayer de garder les meilleures compétences. Alors, je voudrais revenir sur un fait historique. En 1991, vous vous prépariez déjà un peu à rentrer dans l'Union européenne et vous avez créé ce qu'on a appelé le groupe de Visegrad avec les Hongrois, les Polonais. Vous étiez donc trois au départ, on a même appelé ça le triangle au départ. Puis après, c'est devenu quatre puisque vous êtes séparés avec la Slovaquie. Et ce que l'on peut en dire, c'est que vous avez été un farouche défenseur du marché unique, des libertés. On vient de parler de la liberté de circulation, de la liberté de circulation des capitaux également. C'est-à-dire en fait un accent très tourné sur le marché intérieur, sur cette libération de ce marché intérieur, avec peut-être la volonté de rapatrier des compétences qui avaient été quand même confiées à l'Union européenne sur un plan plus national, un renforcement du Conseil européen par rapport au rôle du Parlement européen. Certains disent même qu'en l'absence du Royaume-Uni depuis le Brexit, vous avez un peu repris le flambeau de l'opposition à une volonté d'intégration plus, je dirais, cohérente et politique de l'Union européenne. Nous avons dans la salle à la fois des Montrougiens, bien sûr, mais aussi des amis militants du mouvement européen, qui est l'ensemble des mouvements qui œuvrent pour une meilleure intégration, à la limite fédérale, de l'Europe, disons-le. Mot que les Français, d'ailleurs, comprennent assez mal par rapport aux Allemands, aux Autrichiens, aux Suisses et même aux Italiens. Alors, qu'est-ce que l'on peut en dire? Parce que, en fait, aujourd'hui, il faut se souvenir que le fameux V4, ce groupe de Visegrad qui s'appelle maintenant V4, s'oppose par exemple à l'idée de l'harmonisation fiscale, s'oppose à des mécanismes de protection des minorités. Sur le plan sociétal, il n'y a pas vraiment de grandes avancées, je dirais, par rapport à d'autres pays. Un manque de confiance, comme a dit un commentateur récent, dans le modèle occidental d'une société multiculturelle. Alors moi j'ai envie de dire, est-ce que ce discours-là, cette position-là, cette vision politique-là, d'un accord avec la Hongrie notamment, et les Polonais, n'est-elle pas un peu caduque maintenant que le gouvernement en République tchèque a changé en décembre dernier? Je rappelle qu'on a un nouveau gouvernement depuis décembre 2021. Qu'est-ce qui a changé? Je ne sais pas par où commencer. Tout d'abord, le V4, le V3 ou V4 par la suite a été créé avant tout en réaction à la non-volonté de l'Allemagne et de la France à ce que ces pays de l'Europe centrale intègrent l'Union européenne. Donc il faut comprendre cela. Ça a été créé par Havel et par les gens qui dirigeaient le pays après 1989. Et c'était vraiment pour essayer de se donner de plus de puissance pour pouvoir dire à l'Europe, écoutez, nous sommes là, nous exigeons de rentrer dans l'Union européenne. L'Allemagne ne voulait pas. La France était à la traîne. Donc c'était pour ça que ça a été créé.
V4 n'a pas une structure hiérarchique, il n'y a pas une direction, il n'y a pas un président, il n'y a pas un directeur général, etc. etc. C'est un groupe d'amitié, entre guillemets, qui, aujourd'hui, des années après, travaille sur deux choses. La première chose, que sur des sujets sur lesquels nous sommes d'accord, tous. Deux, sur un fonds de Visegrad 4 où chaque pays met de l'argent et qui doit servir à la promotion et à l'aide aux entreprises qui s'installent en Europe centrale. Donc le V4 n'est pas une structure comme peut l'être le Benelux, ou, etc. etc. Non. Donc il y a, et vous avez bien entendu, on ne parle que des choses sur lesquelles on est tous d'accord. Donc il y a des désaccords, assez forts, Il y avait un désaccord énorme entre la République tchèque et la Pologne sur l'utilisation des mines de Turow qui avait de l'influence sur la consommation d'eau en République tchèque, parce que c'est sur la frontière polono-tchèque, un grand problème, un énorme problème. Ça s'est réglé. Aujourd'hui, nous sommes très bien avec la Pologne grâce à l'Ukraine. Nous avons un problème aussi, le nouveau gouvernement, maintenant, puisque j'y viens, le nouveau gouvernement a un certain problème avec la Hongrie. Oui. L'ancien Premier ministre était très ami avec M. Orban. C'était son avis, c'était son attitude. C'était mal vu. Aujourd'hui, c'était mal vu à l'Ouest, mais ça, l'ex-Premier ministre croyait que M. Orban va l'aider pour gagner les élections. Eh bien non, il les a perdues. Le nouveau gouvernement aujourd'hui, sans vouloir arrêter le Visegrad 4, parce qu'il y a quand même une certaine volonté de s'unir sur des sujets pour qu'on essaie d'imposer à l'Union européenne ou d'apporter vers l'Union européenne, nous avons un vrai problème avec M. Orban et sa vision de l'état de droit, puisque nous ne sommes pas d'accord. La République tchèque n'est pas d'accord. Le Premier ministre actuel l'a exprimé plusieurs fois, beaucoup de fois. Et notre vision de l'état de droit est beaucoup plus proche de ce qu'on entend en Europe, normalement, par ce qu'est l'état de droit. Le même problème avec la Pologne. Nous ne sommes pas du tout d'accord en Pologne, avec la Pologne quand le politique a une main mise sur la justice. Nous pensons que ça ne doit pas exister. La justice doit être indépendante et séparée des pouvoirs politiques. On s'étonne d'ailleurs, aujourd'hui même, hier j'ai eu des discussions là-dessus assez avancées, on s'étonne que les Polonais, en ce moment, vu à travers l'Europe comme un pays qui se conduit de manière formidable par rapport à l'Ukraine, n'utilise et ne profite pas de cette situation pour régulariser ses relations avec le reste de l'Europe en abandonnant sa volonté d'avoir une mainmise politique sur la justice. Je ne sais pas si je ne vais pas trop dans les détails, si on se comprend ce que je dis. Mais donc, vous avez commencé par quelque chose d'autre. En fait, je vais vous relancer sur un point très précis. Aujourd'hui, il y a, en réaction à cette guerre ukrainienne, un renforcement de l'union des Européens, hein, on peut le dire, avec, je le rappelle, la Finlande et peut-être même la Suède qui vont vouloir adhérer à l'OTAN, avec le fait que jamais M. Poutine n'aurait imaginé une unanimité, je dirais, un peu naturelle et immédiate de l'ensemble des 27 États membres pour déclarer des sanctions, pour... Bon, je ne vous raconte pas tout ce qui s'est passé, vous le savez très bien. Dans cet élan-là, dans ce sursaut des Européens, on va donc dépasser le simple... objectif d'un marché unique et d'une liberté de circulation. On va peut-être
pouvoir en profiter pour aller plus loin sur un plan plus politique et institutionnel. Est-ce que, à votre avis, cela peut aller pour le gouvernement tchèque à pouvoir soutenir des nouvelles initiatives, nouvelles initiatives comme par exemple instaurer un vote à la majorité qualifié sur un certain nombre de sujets vraiment majoritaires, les grands sujets qui sont aujourd'hui un peu bloqués à cause de l'unanimité? Le président Macron dit quelque chose lundi et je dois aujourd'hui analyser tout ce qu'il a dit et aller en profondeur. Vous me demandez beaucoup. Non, il y a effectivement, bien sûr, nous sommes dans un espace démocratique, donc il y a des discussions et il y a des incompréhensions et il y a des heurts. Qui arrive, ce qui est tout à fait normal dans une structure démocratique. Je pense que cette histoire, par exemple, d'un salaire minimum européen commence à être claire pour tout le monde, vu que ce n'est pas seulement dire nous aurons tous en Europe un salaire minimum, mais on ajoute suivant les capacités du pays. Alors immédiatement, on est toujours... Donc on assure qu'il n'y aura pas de pauvres en Europe. Néanmoins, c'est vrai, les salaires en République tchèque sont beaucoup plus bas que les salaires en France. Donc il serait difficile de donner le salaire minimum français à un Tchèque, étant donné que c'est un très bon salaire en République tchèque. Donc c'est compliqué. En ce qui concerne le fédéralisme et toute cette problématique qui vient d'être mise sur la table par le président Macron et par cette volonté de mettre des votes sur des sujets d'importance sur un vote à majorité simple. C'est un problème, c'est un vrai problème, et ça ne va pas être seulement un problème pour les Tchèques, ça va être un problème pour énormément de pays, à moins qu'on nous explique qu'est-ce qui est pensé par là. Parce que tout simplement, il y a une chose importante dans la communauté européenne, c'est que le vote à 100%, à l'unanimité, met quand même un droit de veto pour chaque pays. Donc par exemple, lorsque 99% des pays de l'Union européenne décident quelque chose, il y en a un qui dit non, ben c'est non. Et ça bloque tout. Ça a bien sûr, ça gêne, ça peut gêner, mais ça aussi, c'est une assurance de ne pas, pour certains pays, parce qu'ils le ressentent comme ça, de disparaître. Et ça, cette notion de nationalisme, on y revient, qui revient, et ces pays, mais que ce soit les Tchèques, que ce soit les Danois, que ce soit des Hollandais, etc., etc., ils ont les mêmes sentiments que nous. Nous sommes aujourd'hui, entre guillemets, un pays jeune. Étrangement, puisque nous sommes l'un des les plus anciens royaumes de l'Europe, mais en tant que pays comme la République tchèque, nous sommes un pays jeune. Et bien sûr, c'est ressenti comme quelque chose qui pourrait s'attaquer à ce pour quoi nous nous sommes tellement et si longtemps battus, c'est d'avoir un pays à nous, une patrie à nous, etc., etc. Donc on peut se dire, par exemple, qu'en France, on ne ressent pas ce problème-là. La France, elle est depuis des 300 ans, je crois, un pays centralisateur, réuni. Les Jacobins. Oui. Et Jacobins, donc pas 300, moins. Et on ne ressent pas. Cela dit, les Corses, ça gueule quand même pas mal, non ? Il y en a d'autres. Combien de Bretons se plaignent de ne pas avoir un État à eux, etc. Bon, mais ne comparons pas.
Il y a une certaine peur pour ces pays jeunes de perdre leur autonomie. En même temps, on se rend parfaitement compte qu'il faut qu'il y ait une autonomie européenne, que nous faisons partie de l'Union européenne, et que ça demande certaines concessions. Donc maintenant, il faut qu'on s'explique qu'est-ce que ça veut dire une idée d'une fédération européenne, qu'est-ce que ça veut dire ce vote où on abandonne ce droit de veto, qu'est-ce que ça veut dire, quelles sont les garanties, etc. Donc l'attitude de la politique tchèque, de ce que je représente, c'est ok, parlons-en, mais doucement et réfléchissons. La solution, pour vous en donner une, peut-être une piste de réflexion, puisqu'il faut réfléchir, eh oui. C'est qu'il y a un des 5 symboles de l'Union européenne qui est la devise. Est-ce que vous vous souvenez que la devise, c'est l'unité dans la diversité? Or, comprendre une intégration de plus en plus fédérale de l'Union européenne suppose de bien définir l'unité et la diversité. L'unité, c'est-à-dire la capacité de prendre des décisions sur quelques grands sujets et pas d'autres, avec ce principe de subsidiarité qui fait que c'est toujours aux États membres ou même aux régions à l'intérieur d'un État qui devraient prendre les décisions qui sont à leur niveau. C'est pour ça que les Bretons ou les Corses peuvent comprendre un fédéralisme qui n'est pas une centralisation européenne, mais au contraire un étagement, si vous voulez, des différents niveaux de décision en fonction de la dimension d'une question, la dimension d'un problème et la capacité à les résoudre. Et la diversité, c'est le respect. Le respect de toute cette diversité culturelle européenne, des langues, des cultures, de l'histoire, des spécificités de chacun de vouloir vivre dans ce qu'elle appelle sa patrie, ce qu'il appelle sa patrie, et ça c'est vraiment très important. On n'aura jamais une Union européenne monolithique qui essaye d'imposer une seule vue à tout le monde sur tous les sujets. Je crois qu'il faut vraiment retirer ces fake news aussi, puisque vous avez dit que vous alliez lutter contre les fake news dans les 6 prochains mois. Je vous invite à regarder de près ce que certains vont essayer de faire croire de ce que peut être l'Union européenne, un peu trop monolithique. Personne ne la voudra. Donc ça, c'est peut-être une piste. Hein. Bien comprendre l'unité, la diversité et l'expliquer à tous. Bien sûr, vous avez parfaitement raison et c'est comme ça que ça doit se passer. Le problème, il est effectivement historique, il est lié à un certain vécu. On a parlé au début de blocs et il faut comprendre que moi, et je suis un vieux, mais il y a plein de gens de la République tchèque qui ont quand même vécu sous l'oppression ou sous le monolithisme soviétique. Donc quand on leur dit aujourd'hui, donc vous êtes débarrassé du monolithe soviétique et de l'influence soviétique, qui il faut le comprendre, hein, essayer de mettre la culture tchèque sous la culture soviétique. Je ne sais pas ce que c'est la culture soviétique, mais c'est comme ça qu'on nous le disait. Moi, je connais la culture russe, la culture soviétique, je ne comprends pas très très bien ce que c'est, mais bon, c'est une notion politique, donc je ne vois pas. Mais on nous disait, il faut que tu sois un bon soviet. Donc moi, j'étais pionnier quand j'étais jeune, pionnier du Parti communiste, bien sûr. Bon, on l'était tous, si on ne pouvait pas aller à l'école. Donc il y a cette oppression et les gens, ça, en eux, historiquement, c'est raconté depuis grand-mère, père, etc., etc., etc. Donc il y a cette peur du monolithe européen dans lequel cette culture tchèque, cet art de vivre tchèque, je ne sais pas, cuisine, tout ce que vous voulez, se perdent. Nous, on sait parfaitement, vous, parmi vous, vous êtes certainement beaucoup plus nombreux que d'autres, que ce regard, on l'a quand même pas mal entendu pendant la campagne électorale présidentielle. On l'a quand même pas mal entendu, ce truc-là. Et on l'entendra, comme vous l'avez dit, encore maintenant dans les élections qui arrivent. La génération actuelle, les jeunes gens, ils n'ont pas ce sentiment-là. Ils sont européens. Ils sont européens. Moi, j'ai une fille qui étudie à Paris et j'ai un fils qui étudie à Prague. Ils ne se posent absolument pas le problème. Est-ce qu'ils vont perdre ou ne pas perdre la culture? Ils savent qu'ils ont une culture.
quand ma fille est à Paris, elle veut aller à Prague. Quand mon fils est à Prague, il veut aller à Paris. Et il n'y a aucun problème. Ils sont parfaitement européens. Ils parlent trois langues, le tchèque, le français, l'anglais. Ce que vous voulez de plus. Ils pourraient parler allemand encore ou espagnol. Mais bon, tant pis. Mais je veux dire par là, c'est une question générationnelle qu'il faut avancer. Le président Macron, quand il vient avec cette idée-là, eh bien, disons qu'il est jeune. Oui. On arrive bientôt à la fin. Je voudrais vous poser une toute dernière question. Vous n'avez pas encore adopté l'euro. Les Slovaques l'ont adopté. On se demande pourquoi les Tchèques ne se sont pas inspirés finalement de l'accord des Slovaques. Qu'est-ce qui aujourd'hui constitue le frein majeur à l'adoption de l'euro, d'après vous? Les politiques vous expliqueront que c'est une question économique. Ils vous expliqueront que la couronne est tellement forte. Alors pourquoi est-ce que prendre l'euro, puisque la couronne est forte et ça, soi-disant, fait, paraît-il, mieux fonctionner l'économie tchèque. D'autres politiques ou d'autres économistes politiques vous diront que c'est exactement le contraire, que l'économie tchèque pourrait fonctionner beaucoup mieux que si on avait l'euro, etc. Notamment dans un contexte d'inflation qui revient, est-ce que la stabilité de l'euro n'est pas finalement protectrice? D'ailleurs, la couronne tchèque est en train de baisser. Vous avez absolument raison. Donc c'est une question de décision politique, de courage politique. Ce qui est intéressant, c'est que les directeurs des grandes entreprises tchèques sont pour l'adoption de l'euro. Alors, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment une question politique et du courage politique de dire aux Tchèques, vous pouvez avoir l'euro. Moi, je suis persuadé qu'on l'aura plus vite qu'on ne le pense. La Croatie va maintenant adopter l'euro. Les Tchèques, quasiment 80% de la population tchèque a déjà voyagé dans les autres pays de l'eurozone. Donc pour les Tchèques, ça ne va pas être un changement aussi radical que ça a pu l'être il y a 10 ans maintenant, je crois, pour la Slovaquie. Il faut dire aussi une chose, la Slovaquie se débrouille très bien avec l'euro. Voilà, donc c'est une question de courage politique. Mais vous ne l'avez pas mis dans les priorités de votre présidence d'essayer de faire progresser cette question qui est plus nationale pour vous, en fait. Non, on ne l'a pas mis. C'est une bonne idée. Je vais essayer d'appeler le Premier ministre. On a un micro baladeur pour la salle. Si... Et je vous invite maintenant à poser des questions, si certains d'entre vous ont le courage de poser une question à monsieur l'ambassadeur, que je remercie d'abord pour toutes ces réponses tout à fait précises, car je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on n'a pas eu de la langue de bois, on a eu un langage clair, hein, tout à fait précis. Donc merci pour cette transparence. Merci de m'avoir invité, hein, c'est toujours intéressant, et je suis en train de m'entraîner sur vous, excusez-moi, pour les 6 mois qui m'attendent de la présidence du Conseil de l'Union européenne par la République tchèque ici en France, parce que je suis invité j'ai des invitations pour parler comme ça tous les jours. Donc là, je m'entraîne pour pouvoir être plus court, plus concis. Non, c'est très bien. Alors, y a-t-il une première question? Oui, Claude. Claude Bardot, Mouvement européen. La République tchèque, enfin la Bohème, parce que c'est comme ça qu'on la connaissait autrefois, a été un grand pays sur le plan culturel et notamment musical avec des compositeurs comme Dvořák ou Janáček. Malheureusement, aujourd'hui, il semble que l'économie, le politique, la crise du Covid puis de l'Ukraine a masqué complètement l'aspect culturel de l'Union européenne. Est-ce que votre présidence, pendant les 6 mois qui viennent, vont être l'occasion pour la République tchèque de relancer des initiatives sur le plan culturel qui ont été un petit peu rares ces derniers temps? Et je dois dire que la France n'a pas tellement brillé par les initiatives qu'elle a pu prendre pendant sa présidence sur ce plan. Bon, vous avez parfaitement raison et merci. De dire que la Bohème et les pays tchèques sont des
des pays de culture. Je pense effectivement que la culture tchèque a quand même rayonné pendant de longues années, jusqu'à, je dirais, presque récemment. Vous avez aussi raison sur le fait qu'après ce qu'on appelle la révolution de velours, après notre entrée dans l'Union européenne, on peut se dire que ce rayonnement s'est un peu estompé. Je pense que vous avez raison. Il y a plusieurs raisons pour cela. Un, les artistes tchèques sont dans un monde concurrentiel mille fois plus important qu'il ne l'était avant. Deux, c'est triste à dire, mais on est souvent beaucoup plus, comment dire, efficace culturellement quand on a un ennemi. Les Tchèques, jusqu'à maintenant, jusqu'à l'invasion russe de l'Ukraine, n'avaient pas d'ennemis. Donc c'est très difficile. Ils sont exactement dans la même situation que le sont des artistes, intellectuels, écrivains, sculpteurs, etc., français. Exactement dans la même position. Sauf qu'ils ont des budgets qui sont beaucoup plus petits et que la politique culturelle tchèque est quand même assez balbutiante en ce qui concerne la culture, alors qu'il existe quand même des avantages en France énormes. Nous essayons de faire mieux. Je me souviens quand M. Lang me donnait le titre de chevalier des arts et des lettres. Il me disait, Michel, j'ai enfin obtenu 1% du budget de l'État. C'était son rêve. Eh bien, nous, les Tchèques, on n'y est pas. Mais on pense y arriver dans deux ans. Quand je suis arrivé ici à Paris comme ambassadeur, et je suis fils d'écrivain et de poète, donc je connais un peu ce monde parce que j'y ai vécu, je me suis aperçu que en 2019 seulement 5 livres tchèques ont été traduits en français. L'horreur. Bon, 2 ans et demi plus tard, nous en sommes à 20. C'est déjà un beau saut. Il y a plusieurs problèmes. Un, le monde du marché du livre est vraiment un marché très difficilement pénétrable si on n'a pas de l'argent pour s'acheter des agents qui vous représentent auprès des éditeurs. Problème énorme. Deux, nous manquons de traducteurs. Nous manquons de traducteurs. Toute la génération, c'est un grand défaut qui apparaît de plus en plus fort, alors que ça fait des années qu'on le dénonce. Il y a peu de Français qui parlent tchèque, il y a peu de Tchèques qui parlent français. Donc on manque de traducteurs. Il y a un effort à faire énorme ici, et c'est là-dessus que moi, par exemple, j'essaie de vraiment insister et travailler, c'est de trouver de l'argent pour pouvoir payer des traducteurs, parce que vous savez qu'un traducteur, c'est vraiment horriblement mal payé. C'est incroyable. Donc, et trouver aussi des moyens pour pouvoir trouver des agents qui vont représenter les écrivains tchèques auprès des maisons d'édition. Quand mon père était conseiller culturel de la Tchécoslovaquie ici à Paris, dans les années, fin des années 60, il y avait 50 livres tchèques qui paraissaient par an. 50. Parce que papa a quitté sa chaise de son bureau, la même chose là où je suis assis à sa place aujourd'hui, et faisait la tournée des éditeurs. Lui-même écrivain, intellectuel, ami avec Roger Vaillant, avec Sartre, etc., etc. Tout ça, ça défilait chez nous à la maison, Aragon et tout ça. Il allait les voir et il proposait les auteurs tchèques. Mais c'était avec l'éditeur. Aujourd'hui, pour rencontrer l'éditeur, c'est impossible. Il faut passer par un agent. Donc moi, je peux, en tant qu'ambassadeur, je peux solliciter un rendez-vous. Je finis quand même dans le secrétariat où on me dit « Vous devriez rencontrer un tel et un tel. » Et en fin de compte, on parle de l'argent, combien est-ce que moi je mets en tant que République tchèque dans le livre pour qu'il sorte.
Non, mais le monde a changé. Hein. Le monde a changé. Cela dit, je peux vous assurer que la culture tchèque existe, qu'elle est toujours aussi forte et intéressante, qu'il y a du cinéma tchèque, il y a des romans tchèques, il y a maintenant un film de dessin animé tchèque qui a gagné le prix de l'animation à Annecy, au festival d'animation d'Annecy. Il y a des films qui arrivent, il y a des livres qui arrivent. On y travaille, mais c'est des manques de moyens aussi. Y a-t-il une autre question, madame ? Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Est-ce que monsieur Václav Havel inspire encore politiquement et intellectuellement la Tchécoslovaquie, j'ai gardé le nom ancien du pays, moi, dans sa complétude. Je ne la divise pas, pour moi c'est un État complet. Malgré sa culture, ses petites différences, ça fait quand même une nation. Alors je voudrais savoir si l'esprit de Václav Havel est toujours bien présent dans la population tchèque. Merci. Non, non, c'est vraiment la bonne question. Je crois qu'il y a peu de politiques au monde qui ont fait pour qu'un écrivain, pour qu'un intellectuel soit oublié ce qui s'est passé les 20 dernières années en République tchèque. Il y a eu vraiment un vrai effort d'essayer de mettre un tout petit peu Václav Havel aux oubliettes. Ça ne marche pas. Václav Havel est toujours existant dans l'esprit des Tchèques, même parmi les jeunes. J'ai proposé récemment une pièce de Václav Havel dans un théâtre parisien. Eh bien, j'étais refusé. J'ai présenté une pièce de théâtre de Milan Kundera. J'ai été refusé. Donc, je ne sais pas exactement où est-ce qu'on oublie plus. Aujourd'hui, Václav Havel et les idées de Václav Havel ressortent en République tchèque. Reviennent. Ces réflexions sur l'Europe, sur la manière d'être en politique, parce qu'il était quand même un politique un tout petit peu hors commun. Et j'en ai une preuve, parce que vous savez quel sera le slogan de la présidence tchèque du Conseil de l'Union européenne. C'est un mot de Václav Havel, Europe comme un devoir. Donc vous voyez que l'actuel monde politique tchèque fait revenir Havel au devant de la scène et comme emblème de sa présidence prend un mot de Václav Havel. L'Europe comme un devoir. Donc la République tchèque va servir une certaine vision de l'Europe pourvu qu'elle se soit dans un sens qui permettra des consensus, qui permettra de faire des réelles avancées et qu'en décembre prochain, quand vous passerez la main à la Suède, il n'y aura peut-être plus beaucoup de dossiers transmis d'un semestre à l'autre. Je pense qu'il y en aura beaucoup, 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 encore beaucoup. Non, ce qui est important, c'est à ce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, la République tchèque serve l'Europe. C'est ça qui est important. Ce n'est pas imposer des idées tchèques, c'est de faire avancer l'Europe. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions ? On a encore une dizaine de minutes. Non, il y a beaucoup de timides. Bon, on voit la porte s'ouvrir. Oui, oui. Et je crois que nous allons accueillir Monsieur le maire. Voilà. Je crois que ça tombe à pic, parce qu'on était presque arrivé à la fin du débat. Donc, j'invite Monsieur le maire à nous rejoindre ici, sur la scène. Et qu'il puisse peut-être dire un petit mot sur la semaine européenne et l'importance pour Montrouge de ses actions. Ça allait bien. Bien, ben, bonsoir à toutes et à tous. Je vous rejoins à cette heure tardive. On vient de terminer une balade urbaine dans le quartier Ferry Buffalo, qui
Il y avait beaucoup de monde, je crois qu'on était une bonne centaine. Voilà. En tout cas, merci Monsieur l'Ambassadeur d'être avec nous ce soir. J'ai pas pu participer à la conférence, mais je suis sûr que c'était passionnant. Tout est enregistré, donc on va le revoir, c'est ça ? En tout cas, moi, je voulais vous dire qu'on est très fiers à Montrouge de cette semaine européenne, parce que vraiment, cette dynamique s'inscrit dans notre ADN. On est vraiment une ville qui est tournée vers, à la fois vers l'Europe, bien sûr, mais surtout vers les échanges avec l'ensemble des autres pays. Et vous savez, peut-être, je ne sais pas si ça a été dit, depuis de nombreuses années, nous sommes l'une des villes de l'art contemporain, et on a lancé ce très beau projet du festival de l'art contemporain en Europe. Et donc, plutôt que d'être attaché à une ville ou à une autre avec des jumelages, en fait, nous, on est jumelés potentiellement avec toutes les villes qui sont vers l'art contemporain. Voilà. Faites attention, je vais vous amener l'art contemporain tchèque. Ah ben, on est preneurs. Hein. Ce qui n'empêchera pas peut-être de réfléchir à un nouveau modèle de jumelage. Ben, tout à fait. Non, mais on est ouvert à toutes les rencontres. Voilà. Bon, j'imagine que vous avez parlé de la situation en Ukraine. Et je sais que le peuple tchèque est quand même très proche de ce qui se passe là-bas et qui est tragique. Voilà, donc nous sommes évidemment fraternellement avec vous dans cette période très très compliquée. J'espère que l'actualité ne va pas se précipiter. Voilà. En tout cas, merci pour votre présence à Montrouge et vive les relations entre la France et la Tchéquie. Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de pouvoir parler. Monsieur Hureau a été très gentil avec moi. Il m'a posé plein de questions. Il s'est vraiment énormément investi dans la connaissance. Et ces questions ont été vraiment très précises et réfléchies. Donc, merci beaucoup. Je voulais vous rappeler quand même une chose importante. Il y a en ce moment... à Paris, au Musée d'Art Moderne, une exposition d'une peintre tchèque qui a vécu quasiment toute sa vie en France, qui s'appelle Toyen. Et son tout premier atelier, quand elle est arrivée en France, était à Montrouge. Voilà, si vous voulez vous dire ça, je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Donc il faudra encore qu'on fasse des études et que je demande à de plus grands spécialistes que moi où se trouve, et on va mettre une plaque là après. Tous les chemins mènent à Montrouge. Merci beaucoup en tout cas. Merci Monsieur le Maire, si vous n'avez rien d'autre à ajouter, merci surtout Son Excellence Monsieur Michel Fleischmann d'avoir été parmi nous ce soir. Nous avons cette semaine européenne tous les ans depuis 2010, et l'année prochaine ce sera la Suède. La Suède qui va présider, on l'a dit, de janvier à juin 2023. La semaine n'est pas terminée. Nous aurons demain soir un ciné-concert ici même où je vous invite à revenir pour un moment plus festif peut-être que intellectuel, mais en tout cas très intéressant aussi. Et puis samedi à partir de 14h30, ici même aussi, avec un certain nombre de petites animations, notamment la remise du prix de celui qui partira à Prague en ayant réussi le quiz qui a été clôturé cet après-midi, ainsi que les résultats du jury sur leur opinion sur un certain nombre d'élèves qui ont participé sur cette même estrade hier même à une présentation de leur compréhension de l'histoire. Vous avez des panneaux d'ailleurs sur le palier si vous voulez les regarder encore avant de partir. Ils sont encore là demain et samedi, de façon à vraiment mettre en valeur l'implication des élèves. Je rappellerai par exemple que lundi et mardi matin, nous avons eu 800 élèves de maternelle qui ont pu assister à un film d'animation à l'espace Colucci. Merci à Jean-Marc Lafont ici présent. 800 élèves qui ont vu un petit film d'animation qui s'appelle « La baleine et l'escargot ». Nous avons eu un film de Miloš Forman en hommage quand même à un réalisateur bien connu de la République tchèque lundi soir. Nous avons eu un film tout à fait intéressant, je ne sais pas si certains dans la salle y étaient, mardi soir avec Roche-Pied d'Or. Madame, je crois, avait apprécié le film, où on voyait bien d'ailleurs la mainmise des Russes sur l'équipe de basket tchèque au moment des Jeux Olympiques de Londres, après la guerre, leur obligeant de perdre devant l'équipe russe.
Et effectivement, l'histoire du film raconte un peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Je n'en dirai pas plus, ça vous incitera peut-être à voir ce film un jour, si vous l'avez loupé mardi soir. Voilà, donc une semaine très riche, très intéressante, je pense, par la programmation. Et je voulais aussi remercier tous les services de la ville, ici représentés, pour la mise en place de tous ces équipements, de tout ce qui constitue les moyens aussi de diffusion. Cela a été enregistré ce soir et sera diffusé en podcast à partir de samedi. Voilà. Merci encore à tous. Merci.